toi, Seigneur, qui a permis que nous puissions être en ce lieu. C'est pourquoi, Jésus, nous voulons continuer à faire monter cette louange vers toi. Une louange de reconnaissance, une louange de gratitude, parce que tu es bon pour nous. Et en ce lieu, oui, nous désirons qu'une seule chose, une seule chose, celui de t'adorer, celui de te célébrer, celui de pousser les cris de joie. Une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, alors que nous...
je ne peux pas le laisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi? Je ne peux pas le laisser. Est-ce que tu peux faire monter ta voix et déclarer? Je ne peux pas laisser.
Semaine. Comme vous le savez, du lundi au jeudi, nous avons notre rendez-vous Zoom, notre prière du soir. Donc toute l'assemblée est attendue à ce rendez-vous Zoom qui débute de 22h à 23h, du lundi au jeudi et le samedi. Amen. Ensuite, toutes les femmes sont attendues au rendez-vous avec l'époux chaque mercredi à 5h du matin. Toutes les femmes de la maison du chandelier sont attendues pour un rendez-vous Zoom à partir de 5h du matin. Cette semaine, nous allons étudier en fait la vie de Keturah, qui se trouve dans le livre de Genèse 25, chapitre, le verset 10 à 11. Amen. Donc toutes les femmes de la maison du chandelier, mettez bien le réveil à 5h du matin, vous êtes attendues. Amen. Nous vous rappelons également que le rendez-vous du culte Bac est de retour. Donc tous les vendredis à partir de 19h30, vous êtes attendus en ces lieux pour faire monter nos prières à l'Éternel. Ça fait deux vendredis que nous n'avons pas eu le culte Bac. Donc là, le culte Bac est de retour. Donc vous êtes attendus également en ces lieux. Et comme vous le savez, depuis ce jour, le culte du dimanche a changé. À partir de maintenant, nous aurons un seul culte qui débutera à 11h et qui se terminera à 13h30. Amen. Donc nous vous attendons pour venir dans la présence du Seigneur en joie et avec des louanges, avec des louanges et des adorations. Amen. C'en est tout pour les annonces d'aujourd'hui. Donc je vais vous demander de vous mettre debout pour acclamer le prophète Jocelyn qui va nous prêcher. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs? Non, on dirait que tu n'es pas dans la joie de l'acclamer ce matin. Il s'agit du roi des rois. Il s'agit du rejeton de David. Il s'agit de ton Dieu, celui-là qui t'a donné la vie. Celui-là qui a pourvu à ta présence en ce lieu. Celui-là qui a permis que tu puisses traverser l'année 2021. Il s'agit de lui, il s'agit de celui-là qui a combattu pour toi. Celui-là qui n'a point dormi pour ta paix, pour ta sécurité. Celui-là qui a disposé de son temps, de sa personne, de son pouvoir pour veiller sur ta vie. Il s'agit de lui, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Voilà pourquoi, bien-aimé, lève les mains, lève les mains. Tu vas le bénir en ce jour. Ah, 2021 n'a pas été facile. Complication sur complication.
Il a veillé sur ta vie. Il t'a protégé. Il a glorifié son nom dans ta vie. Bénis-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Souviens-toi, souviens-toi de ce qu'il a accompli pour toi jusqu'ici. Et rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Ce matin, laisse-moi te dire que tu le mérites. Yes, Lord. Vas-y. Oh, tiens le mot, tiens le mot. Vas-y, vas-y. Ça n'a pas été facile.
Mais tu nous as gardés. Dans nos larmes, tu es venu les essuyer. Lorsque nous étions dans les difficultés, tu es venu nous sortir de nos difficultés. Lorsque nous étions oppressés, tourmentés par l'adversité, tu étais là pour nous délivrer de ces oppressions. Lorsque tout semblait compliqué, mais tu es le Dieu jusqu'à la dernière minute qui a tenu à exaucer nos prières. Oui, tu les as fait. Oui, tu as accompli cela. Et tu as permis que nous puissions traverser 2021 comme il se devait. Oh Seigneur, nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la magnificence. Notre présence en ce lieu est le fruit de ta grâce. Oui, Seigneur, si nous pouvons marcher, si nous pouvons nous tenir debout en ce lieu, si nous pouvons parler, t'adorer, te louer, t'écouter, c'est le fruit de ta grâce. Ce matin, reçois toute notre reconnaissance, toute notre gratitude, toutes nos ovations, tous nos cris de joie, d'acclamation. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Acclame Jésus. Alléluia. Ah, ton amen me dérange. Alléluia. Ton amen me fatigue. Alléluia. Un amen fort. Un amen puissant. Acclame Jésus. Assieds-toi dans sa présence. Amen, amen. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Bonne année. Meilleurs vœux. Comme on dit, toutes les bontés, alléluia, santé, longévité, prospérité, alléluia, toutes les bontés pour toi, ta maison, ta famille, au nom de Jésus. Dis amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est une joie et je ne cesserai de dire que c'est une grâce de me tenir là. Vous savez, rien n'est acquis dans la vie, alléluia, rien. Pour nous, toutes ces choses qui semblent être évidentes, mais en réalité, elles ne le sont pas, si Dieu ne nous fait pas grâce, alléluia. Ce n'était pas sûr que je sois là ce matin, parce que ma nuit n'a pas été évidente, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mais c'est Dieu qui a permis que nous soyons là. Alléluia. Mon épouse et moi, nous n'avons même pas pu fermer les yeux, gloire au Seigneur, parce que beaucoup de choses se passaient. Mais la grâce de Dieu nous a gardés, la grâce de Dieu a gardé la famille, et la grâce de Dieu a permis que nous puissions être là ce matin. Voilà pourquoi pour moi, être en la présence de Dieu, c'est simplement le fruit de la grâce de Dieu. Ce n'est pas un acquis. D'autres même n'arrivent pas à se lever. D'autres n'arrivent même pas à sortir de chez eux. D'autres même n'arrivent même pas à atteindre l'objectif pour lequel ils sont sortis de la maison. Parce qu'entre-temps, il leur arrive sur le chemin des tragédies. Alléluia. Mais Dieu permet que nous soyons tous là. Et ça, c'est une grâce.
J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, dis bénédiction. Dis la bénédiction. C'est le thème que nous allons traiter pendant quelques dimanches. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais introduire et nous allons prier. Gloire au Seigneur. Répète après moi, la bénédiction. Mais avant de commencer vraiment l'enseignement, j'aimerais rassurer le peuple de Dieu. Je sais que ça n'a pas été évident. Je ne cesse de toujours expliquer aux enfants de Dieu que vous êtes, parce que je sais que beaucoup vraiment se sont apprêtés. Beaucoup se sont apprêtés pour notre réveillon. Beaucoup ont payé des vêtements, beaucoup ont fait beaucoup de choses. Il y a eu une organisation, des gens se sont vraiment battus pour que cela puisse avoir lieu. Elle est où, ma fille Audrey? Elle est où? Amen. Gloire à Dieu. Hein? L'équipe du média, l'équipe de l'événementiel avec Charlie, Mélissa et surtout notre fille Audrey, la communication avec Iphonis. Et même ceux-là qui devaient défiler entre les costumes qu'ils ont achetés, d'autres même ont présenté leurs costumes. Tellement ils avaient mal. Et quand je regarde les costumes, ce n'était pas petit à faire. Oui. Ah oui, ça doit être chaud. Mais Dieu est fidèle. Dis, ce n'est pas perdu. Dis, ce n'est pas perdu. Lorsque nous finirons notre conférence dans le mois de février, nous aurons précisément le premier vendredi du mois de mars, le dîner gala de la maison du chandelier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il faut le noter. Le premier vendredi du mois de mars, nous aurons le dîner gala de la maison du chandelier. Et tout ce qui était prévu, en tout cas, à ce réveillon, sera effectué lors de ce dîner gala-là. Ça va être prestigieux. Tu pourras mettre ton nœud de papillon. Tu pourras sortir la dernière robe. Ça va être simplement majestueux. Ça va être notre fête à nous. Et nous allons inviter nos entourages, alléluia, à venir vraiment participer avec nous ce moment-là. Alléluia. Nous laissons juste le temps que les choses se fassent, surtout au niveau de la pandémie. Voilà pourquoi vous devez vraiment tous ici présents porter vos masques. Alléluia. Mais sérieusement, gloire au Seigneur. Si vous voulez tousser, toussez dans votre coude. Gloire au Seigneur. Lorsque vous partez aux toilettes, vous mouchez ou quoi que ce soit, lavez-vous les mains. Alléluia. Où il y a des manigelles, gloire au Seigneur. Faites tout cela, c'est très important. C'est pour la santé de tous. Jusqu'à ce que nous voyons cette baisse de la propagation de la pandémie. Dites amen. Amen. Nous savons qu'au-delà de tout ce que nous pouvons mettre en place, celui qui nous garde et celui qui est capable de pouvoir arrêter cela, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous le faisons parce que nous voulons nous soumettre aux autorités des nations de la nation dans laquelle nous nous trouvons, telle la parole de Dieu le recommande. Mais nous voulons associer cette soumission-là à la prière parce que nous croyons que celui qui délivre, celui qui guérit et celui qui protège, c'est l'Éternel. Alors par-dessus tout, priez pour la France, gloire au Seigneur, priez pour vraiment cette nation, priez pour les autorités de cette nation, priez pour le peuple français, priez pour cette nation dans laquelle Dieu vous a emmené, alléluia, afin que tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu, le Seigneur puisse l'ôter au nom de Jésus. Dites amen. Gloire au Seigneur. Mais avant mars, nous avons notre conférence. Acclame Jésus pour cette conférence. Nous prions Dieu que vraiment les choses s'améliorent de sorte que cette conférence-là puisse se faire. Et le dernier jeudi, c'est-à-dire le dernier jeudi du mois de février et de janvier de ce mois, donc le dernier jeudi, le dernier vendredi et le dernier samedi, c'est-à-dire les trois jours du mois de janvier, l'Église, nous sommes en jeûne. Alléluia. Ça va être un moment que je vais conduire personnellement pendant les trois jours. Nous serons ici. Nous allons prier pour la conférence,
pour le bon déroulement, alléluia, mais nous allons aussi continuer à prier pour notre vie. Parce que l'activité de l'adversité ne s'arrête pas à seulement qu'à une année, mais elle continue. Donc même si nous sommes rentrés dans une nouvelle année, nous devons continuer toujours à prier. Donc pendant 3 jours, montée, descente, minuit, 18h, nous allons jeûner. Alléluia. Et nous allons nous retrouver ici le jeudi, le vendredi, alléluia, de 19h30 à 21h. Alléluia, pour prier. Et le samedi, nous allons nous retrouver ici de 16h30 à 18h. Lorsque nous allons finir de prier, nous allons descendre ensemble. Et dimanche, nous allons rendre gloire à Dieu. Dites amen. C'est encore une manière pour nous. On a bien terminé l'année en ayant les 21 jours de jeûne. Nous allons aussi bien commencer l'année, alléluia, en faisant ces 3 jours de jeûne dans la présence de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Dis la bénédiction. Pourquoi la bénédiction? Parce que je sais que tout enfant de Dieu aspire à la bénédiction. Qui ne veut pas la bénédiction ici? Alléluia. Amen. Donc nous voulons tous la bénédiction. Et je sais que chaque fin d'année ou chaque début d'année, c'est ce qui revient un peu dans notre esprit. Oh, cette année, il faut que je sois béni. Cette année, il faut que Dieu me bénisse. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ce que c'est réellement la bénédiction et comment elle s'accomplit dans la vie de tout un chacun. Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Je suis persuadé. Gloire au Seigneur. Parce que tous les messages que je reçois du Seigneur sont des messages prophétiques. Lorsqu'on les comprend, lorsqu'on les assimile et lorsqu'on les met en pratique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alléluia. Alors si tu m'écoutes bien et que tu mets cela en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Dis amen. Dis la bénédiction encore. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, Dieu est généralement considéré comme la source de la bénédiction. En quelque sorte, si Dieu ne bénit pas, personne ne peut être béni. Alléluia. Même si ton père, ta mère, ton frère, ton pasteur proclament des bénédictions sur ta vie, mais si la source qui est Dieu ne valide pas cela, tu ne peux être béni. Alléluia. Voilà pourquoi il est là, source de la bénédiction. Et il passe par diverses personnes dans notre vie pour nous bénir. Alléluia. Alléluia. Le mot bénédiction dans l'Ancien Testament se rapporte généralement au don d'un bien. Alléluia. Souvent matériel. Mais le plus souvent, il est désigné par une parole et une promesse formulée. Alléluia. La bénédiction est désignée le plus souvent par une parole et par une promesse formulée. C'est-à-dire, quelqu'un parle et il te bénit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous devons comprendre en premier lieu que la bénédiction est une parole et une promesse prononcée. Répète après moi, la bénédiction est une parole et une promesse formulée. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Genèse 1 à partir du verset 21. Alléluia. Genèse 1 à partir du verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant : Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi. Amen. Amen. La Bible dit, verset 21, Dieu créa les grands poissons, alléluia, et tous les animaux vivants qui se
meuvent, alléluia, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau, alléluia, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 22, j'attire votre attention. Lorsque Dieu finit de créer les animaux, la Bible dit que Dieu les bénit. Et comment Dieu les bénit? Dieu les bénit en disant. Alléluia. Donc la bénédiction est avant tout une parole prononcée. Et il est béni en disant quoi? Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Alléluia. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Gloire au Seigneur. Lorsque nous poursuivons au verset 26, ça c'est Dieu qui crée maintenant l'homme. Alléluia. Et au verset 26, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Au verset 28, Dieu les bénit. Comment il les bénit? En leur disant, et dans d'autres versions, c'est « Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, alléluia, remplissez toute la terre. » Donc, la première des choses à comprendre, c'est que la bénédiction est avant tout une parole prononcée. Gloire au Seigneur. La bénédiction n'est pas avant tout le matériel. Est-ce que vous me suivez? La bénédiction n'est pas avant tout l'argent, les grosses voitures, les grosses maisons, les grosses entreprises, même si ce sont des conséquences de la bénédiction, mais la bénédiction n'est pas avant tout cela. Est-ce que vous me suivez? Pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie, il va falloir que Dieu puisse prononcer une parole. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, la bénédiction est avant tout une parole prononcée. La deuxième chose à savoir, c'est que la bénédiction a un but et un objectif. Lorsque nous lisons dans le verset 22 que nous venons de voir, la Bible dit, et il est béni en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la mer. Alléluia. Et que les oiseaux se multiplient sur la mer. Donc lorsque la bénédiction est proclamée, lorsqu'elle est formulée, elle a un but. Et nous voyons que lorsque Dieu crée les animaux, il est béni et il donne le but de la bénédiction. Et le but était qu'il se multiplie. Est-ce que vous me suivez? Et au verset 28 que nous venons de lire, la Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Ça, c'était après la création de l'homme. Alléluia. Donc Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre et dominez sur tous les animaux. Alléluia. Tout le monde connaît ce passage-là. Alors Dieu formule une bénédiction sur l'homme et la femme et le but de cette bénédiction est que l'homme et la femme puissent dominer sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc si nous comprenons bien, la bénédiction est une parole qu'on libère sur la vie d'une personne afin que cette personne ou afin que cette parole affecte positivement
la vie de cette personne. Vous savez, ceux qui ont compris le monde spirituel et qui les utilisent mal pour faire le mal, tels que les agents ténébreux, ils savent que c'est une parole prononcée qui maudit et c'est une parole prononcée qui bénit. Voilà pourquoi, pour pouvoir apporter la malédiction dans la vie des gens, qu'est-ce que le royaume des ténèbres ils font? Ils en formulent, ils prononcent et ils proclament une parole. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous me suivez un peu? Et nous avons vu cela dans l'enseignement des autels, que celui même qui a commencé à juger par la malédiction, c'est l'Éternel. En gros, ils n'ont rien créé. Alléluia. Ils ont simplement compris que dans la vie, ici sur la terre, c'est ta propre bouche qui te bénira et c'est ta propre bouche qui te maudira. Lorsque tu ne cesseras de formuler des paroles négatives dans ta vie ou sur la vie de tes enfants, ne t'étonne pas de voir l'accomplissement de tes dits dans ta vie ou dans la vie. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui ont compris que tout est une question de parole et de création par la parole sont toujours prontes à bénir. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous me suivez un peu? Voilà pourquoi les parents doivent bénir leurs enfants. Et les enfants doivent chercher la bénédiction de leurs parents. Alléluia. Les enfants doivent chercher la bénédiction de leurs parents. Un enfant doit chercher à ce que son parent, son père, sa mère, biologique comme spirituel, prononce des paroles de bénédiction sur sa vie. Alléluia. Parce que la bénédiction est avant tout une parole formulée et prononcée. Est-ce que vous me suivez un peu? Qui a un but, accomplir ou t'emmener à accomplir ta destinée prophétique. Dites amen. Alors lorsque cette parole est prononcée, elle affecte positivement la vie de cette personne sur laquelle la parole a été prononcée. Vous me suivez un peu? J'essaie d'aller doucement, j'espère que vous comprenez. Est-ce que ça va? La bénédiction est une parole qui permettra à une personne d'accomplir sa destinée prophétique. Cette parole accompagnera cette personne durant toute sa vie sur la terre et affectera positivement tout ce que la personne fera. Alléluia. Alors Dieu, qui a un mandat divin à donner sur la vie d'Adam et d'Ève, pour que cela puisse s'accomplir, qu'est-ce qu'il fait? Il formule une parole. Alléluia. Je suis venu te dire que le même Dieu qui a formulé une parole de bénédiction sur la vie d'Adam et d'Ève afin qu'ils accomplissent ce pourquoi ils ont été créés, ce même Dieu a prononcé des paroles de bénédiction sur ta vie. Il ne t'a pas créé et il ne t'a pas laissé comme ça, comme un errant, marcher sur la terre avec une vision ou avec un projet pour que tu puisses l'accomplir de par tes propres capacités humaines. Non. Non seulement il t'a créé, il t'a donné une vision, un projet, une idée, alléluia, mais également, il a prononcé des paroles de bénédiction qui ont pour but d'affecter ta personne afin que tu puisses rentrer dans l'accomplissement de ce à quoi il t'a appelé. Alléluia. Alors, bien-aimés, lorsque nous comprenons tout cela, nous comprenons que la bénédiction n'est pas le bien matériel. Alléluia. Mais la bénédiction en est la source. Est-ce que vous me suivez un peu? Lorsque nous écoutons cela, nous comprenons que la bénédiction n'est pas le bien matériel, mais la bénédiction en est la source du bien matériel. C'est parce que je suis béni que cela aura une conséquence positive dans ma vie, au point que
matériellement, je serai béni. Je le formule autrement. Le matériel n'est pas la bénédiction, mais le matériel est la conséquence de la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, quand un père ou une mère bénit son enfant, l'enfant, on monte, on descend, il est béni et il est gardé. Alléluia. Parce qu'une bénédiction est avant tout une parole avant qu'elle ne se matérialise dans la vie de la personne qu'on bénit. Alléluia. Vous devez savoir une chose, et je rentre dans le vif du sujet. En 2022, vous devez savoir que toute bénédiction est rattachée à une condition et à un principe. Je répète, toute bénédiction est rattachée à une condition et à un principe. Si tu acceptes et si tu respectes ces conditions et ces principes, alors tu rentreras dans l'accomplissement de tes bénédictions. Alléluia. Dieu a proclamé la bénédiction sur Adam et Ève. Alléluia. Mais pour qu'ils puissent réellement dominer en Éden, cette bénédiction était rattachée à une parole d'obéissance. Tu ne mangeras pas, alléluia, le fruit de cet arbre interdit. Alléluia. Si tu manges, tu mourras. Si Adam et Ève ne mangeaient pas ce fruit, alléluia, alors ils allaient demeurer en Éden et ils allaient continuer à dominer. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais parce qu'ils ont désobéi, alors la domination qu'ils avaient reçue par proclamation leur a été ôtée. Est-ce que vous me suivez? Au point qu'ils ont été chassés d'Éden. Est-ce que vous me suivez un peu? Je prends l'exemple d'un foyer. Alléluia. Pour le foyer, bien-aimé, il y a des conditions à respecter. Il y a des principes à respecter dans le foyer. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Et la femme doit respecter son mari. Elle doit lui être soumise. Alléluia. Comme à Christ. Nous le voyons en Éphésiens 5, à partir du verset 22 à 23, n'est-ce pas? Si monsieur et madame veulent que le foyer fonctionne comme il se doit, tant bien même que Dieu les a bénis par une parole, mais s'ils veulent que cette bénédiction se voie au quotidien dans leur foyer, il va falloir qu'ils respectent les principes et les conditions qui sont rattachées à cette bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction sur notre vie. Vous êtes bénis. Mais si je m'arrête qu'à là et que dans mon foyer, je n'aime pas ma femme ne me respecte pas, elle n'est pas soumise, je ne vivrai pas la bénédiction du foyer. Est-ce que vous me suivez un peu? Alléluia. Dans la relation entre père ou entre parents et enfants, pour que cela se passe bien, cela est rattaché au respect et à l'accomplissement d'un principe, d'une condition. La Bible dit que, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu aies une longue vie. La Bible dit également, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, verset 1. Alléluia. Gloire à Dieu.
Exode 20, à partir du verset 12, et Éphésiens 6, à partir du verset 3. Je ne peux pas dire que non, je suis béni de Dieu, et cela va s'accomplir dans ma vie, tout en ne respectant pas ces principes-là. Vous me suivez un peu? Si je méprise mon père, je méprise ma mère, je ne les respecte pas. Alléluia. Je n'honore pas mes parents. Je ne verrai pas la bénédiction s'accomplir dans ma vie. Vous me suivez un peu? Et c'est pareil. La même Bible dit en Éphésiens 6, à partir du verset 4, parce que généralement on s'arrête qu'au verset 3. Parents, n'irritez pas vos enfants. Alléluia. Parce qu'il y a des parents qui abusent. N'irritez pas vos enfants, mais corrigez-les et instruisez-les selon le Seigneur. Donc vous voyez que dans chaque domaine de notre vie, Dieu a mis des principes, des conditions, alléluia, pour que nous, enfants de Dieu, nous puissions les respecter afin de vivre la bénédiction qui est rattachée à cela. Alléluia. Si chacun respecte, le foyer sera tranquille. La famille, tout se passera bien. On vivra la bénédiction. Mais s'il ne respecte pas cela, tant bien même que Dieu a prononcé, alléluia, cela ne s'accomplira pas. Dis amen. Je prends un autre exemple. Tu veux avoir de l'argent? Alléluia. Va travailler. Va travailler. C'est un principe. Je veux avoir de l'argent. Crie. Tu vas voir s'il y a des biens qui tombent du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un principe. Il faut te lever pour aller travailler car l'homme se nourrit à la sueur de son front. Alléluia. Tu veux avoir une indépendance financière? Va entreprendre. Et investis. Tu vas voir tes finances grandir. Alléluia. Tu veux une stabilité et une sécurité dans tes finances. Paye ta dîme. Apporte ton offrande. Alléluia. Tu veux avoir des diplômes. Mais déjà, va à l'école. Suis attentivement ce que le prof dit. Ne sois pas distrait en classe. Révise tes cours. Et par-dessus tout, prie. Dieu t'accordera le succès. Alléluia. Je vais dire, oh, Dieu m'a béni. Dieu dit que je suis béni. Oh, je suis béni. Oh. Et puis, je respecte rien. Je ne fais rien. Je n'accomplis rien. Je méprise les conditions, les principes qui sont rattachés à cela. Bien-aimé, détrompe-toi. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir que dans le cadre des bénédictions, la connaissance de la grâce seule ne suffit pas. La connaissance de la prière seule ne suffit pas. Mais il vous faudra, en plus de la connaissance de la grâce, ou en plus de la prière, respecter, alléluia, les conditions, les principes liés à la bénédiction que nous recherchons. Et nous verrons cela s'accomplir. Je prends un exemple, dit Pasteur Paul. On va prendre l'exemple du salut. Alléluia. Le salut n'est pas la conséquence, alléluia, de mes œuvres et de mes actions. Nous le savons. Alléluia. Elle est l'œuvre de la grâce de Dieu à mon égard. Est-ce que vous me suivez un peu? Je n'ai rien fait pour que Christ descende sur la terre, subisse tout ce qu'il a subi pour moi, qu'il monte à la croix de Golgotha, qu'il meure et qu'il nous donne la possibilité, l'opportunité d'entrer dans le royaume des cieux. Ça, on n'a rien fait pour cela. Est-ce que vous me suivez un peu? Alléluia. Mais pour que ce salut, cette grâce manifestée à notre égard puisse être effectif dans notre vie, il va falloir que la grâce de Dieu, qui est la source de notre salut, lorsqu'elle vient à nous,
nous puissions l'accepter. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est la condition pour être sauvé. Christ a tout accompli, il a tout fait. S'il vient à toi et que tu ne l'acceptes pas, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Donc, pour être sauvé ou pour avoir le salut, nous n'avons rien fait. Mais pour rentrer dans le royaume des cieux, il va falloir par la foi accepter la grâce de Dieu. Alléluia. C'est quelque part une condition. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous me suivez dans mon raisonnement? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lorsque la parole de Dieu arrive à moi, et comment j'ai eu cette foi salvatrice? Cette foi salvatrice est venue du fait que j'ai écouté la parole de Dieu ou j'ai entendu la parole de Dieu. Et que la mesure de foi qui est rattachée à la parole de Dieu, manifestée par la puissance du Saint-Esprit, puisse susciter en moi cette foi-là. Alléluia. C'est-à-dire, j'écoute la parole de Dieu. Et quand j'écoute la parole de Dieu, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une mesure de foi dans la parole de Dieu qui va venir à toi pour te convaincre, te dire que c'est la vérité, ce que tu entends. Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois lui donner ta vie. Là encore, il y a une possibilité pour toi de dire, je sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je décide tout de même de ne pas l'accepter. Ou je décide de l'accepter. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible dit que à Jérusalem, Jésus-Christ n'a pas pu accomplir des miracles, des prodiges. Alléluia. Pourquoi? Parce que les personnes de sa propre ville où il est né étaient incrédules vis-à-vis de lui. Alléluia. Donc ça veut dire qu'ils ne croyaient pas en lui. S'ils ne croyaient pas en lui, un, ils ne pouvaient pas être sauvés. Et deux, ils ne pouvaient pas rentrer dans leur bénédiction. Mais est-ce que la grâce de Dieu n'est pas venue à eux? Bien sûr, il est né là, Jésus de Nazareth. Alléluia. Ils ont vu où il a grandi. Les gars me pouvaient dire, mais c'est le fils du charpentier, ainsi de suite. Ils voyaient la sagesse, ils voyaient toutes ces choses. Mais ils décidaient délibérément de ne pas croire. Est-ce que vous me suivez un peu? Aujourd'hui, les gens de la loge savent très bien qui est Jésus. Ils le savent. Les gens de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, tout ce que tu peux citer, ils savent, mais ils choisissent délibérément de ne pas le suivre. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que la grâce n'a pas été manifestée pour eux? L'acte que Christ a accompli à la croix de Golgotha est pour tout le monde. Mais ceux qui en bénéficient sont ceux-là qui accepte délibérément de croire, d'accepter cette grâce dans la vie. Est-ce que tu me suis? C'est un cadeau immérité. Pasteur Patrick, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, c'est le cadeau pour que tu sois sauvé. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il y a un mouvement. Il vient, il tend la main et il prend. Assieds-toi. Ne te lève pas cette fois-ci. Pasteur Patrick, voilà ton salut. J'ai tout accompli. Tout est fait pour toi. Tiens, tu vas être sauvé. Il ne se lève pas. Est-ce qu'il sera sauvé? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour ce que je lui offre? C'est gratuit. Mais pour qu'il puisse rentrer au bénéfice de ce que j'ai accompli, il va falloir qu'il accepte. Donc, il y a une condition. Est-ce que vous me suivez un peu? Et cette condition-là va être manifestée par un mouvement. Il va se lever, viens, et il va la saisir. Et lorsqu'il la saisit, tout ce que la bénédiction l'englobe, ça va descendre sur sa vie. Mais il fallait au préalable qu'il se lève et qu'il accepte. Le problème, bien-aimé des enfants de Dieu,
c'est qu'ils ont tendance à croire que les bénédictions ne sont pas conditionnelles dû au fait que Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Bien-aimé, c'est mal comprendre la grâce et c'est mal connaître Dieu. La grâce de Dieu est certes un cadeau immérité, mais il va falloir l'accepter par la foi d'abord avant de rentrer dans ses bénéfices. Alléluia. Jésus-Christ est la personnification de la grâce. Mais lorsqu'il vient à toi, il t'a été donné gratuitement. Le Père l'a donné gratuitement. Mais pour que tu puisses bénéficier de son acte à la croix de Golgotha, il va falloir que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel. Sinon, tu ne rentres pas dedans. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, la grâce de Dieu ne te dira pas désobéis et ne respecte aucune condition, aucun principe, et je te bénirai quand même. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Alléluia. Mais la grâce de Dieu te dira, j'ai en moi une capacité dont tu as besoin. Alléluia. Pour accomplir les principes et les voies de Dieu. Accepte-moi et je te donnerai cette capacité de pouvoir accomplir et honorer les voies de Dieu pour entrer dans tes bénédictions. Voilà ce qu'elle fait. Alléluia. Donc, les conditions que autrefois tu avais du mal à accomplir de par ta capacité humaine, en acceptant la grâce de Dieu te donne la capacité de pouvoir les faire pour entrer dans tes bénédictions. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais elle ne vient pas dans ta vie pour dire « Je suis là, donc tu es béni. » Alléluia. C'est fini. Marche comme tu veux. Parle comme tu veux. Comporte-toi comme tu veux. Et dis que tu as la grâce de Dieu. Et rentre dans tes bénédictions. C'est mal comprendre la grâce de Dieu. Est-ce que vous me suivez? On a vu tout cela. Nous prenons l'exemple d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, nous connaissons tous ce passage. Dans Genèse 4, à partir du verset 13 à 15, la Bible dit que l'Éternel a tué un animal et il a pris la peau de cet animal pour couvrir Adam et Ève. Et là, on parle de grâce. Alléluia. Parce qu'ils ne méritaient pas cela. Mais de vous à moi, Tania, viens. Je prends la peau. Arrête-toi. Ici. Je viens. Je te couvre avec. Amen. Je l'ai forcé. J'ai apporté une grâce, une solution pour elle. Alléluia. Mais pour qu'elle soit effective dans sa vie, elle-même, elle a accepté que je puisse la couvrir. Alléluia. Lorsque nous voyons la vie de Caïn, lorsqu'il a tué son frère, et lorsque Dieu a prononcé un jugement sur sa vie, la Bible dit que il a parlé au Seigneur, c'est trop dur, ainsi de suite. On le voit aussi en Genèse 4, à partir du verset 13 à 15. Et le précédent verset, c'était Genèse 3, verset 21. Alléluia. Donc, nous voyons que Caïn a soupiré et a accepté la grâce de la protection. Il a dit que c'est trop dur ce que le Seigneur lui dit. Donc, il soupire à ce que Dieu lui pardonne. Alléluia. Et lorsque Dieu décide de répondre aux besoins de Caïn, Caïn accepte de recevoir cette grâce de la protection. Alléluia. Lorsque Dieu dit que celui qui touchera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et la Bible dit que plus tard que Dieu a mis un signe sur Caïn. Mais pour que Dieu puisse mettre un signe sur Caïn, c'est parce que Caïn a soupiré à cela et il a accepté que Dieu puisse lui mettre un signe. Alléluia. Donc lorsque la grâce de Dieu arrive à nous, nous avons une part de responsabilité. C'est de l'accepter. Alléluia. Nous avons une part de conditions à respecter, de principes à respecter pour qu'elle soit effective dans notre vie. Sinon, cette grâce, elle viendra à nous et nous allons la bafouer. Alléluia.
Nous voyons la vie de Noé en Genèse 13, en Genèse 6, versets 13 à 22. Lorsque Dieu décide d'apporter le déluge, il décide d'épargner Noé et il dit à Noé, construis l'arche. Alléluia. Il donne les dimensions. Donc, Noé et sa famille, là, ont une grâce de Dieu manifestée à leur égard. Mais pour que cette grâce-là puisse être effective dans leur vie, Noé accepte par la foi, alléluia, d'obéir à Dieu en rentrant en action pour construire l'arche. Alléluia. Lorsque Dieu s'adresse à lui, il pouvait dire, oh, ça là, je ne crois pas, ça commence à dire, vous me suivez un peu. Et il allait mourir comme les autres. Nous le voyons pareil pour Abraham, Genèse 12, versets 1 à 5. Dieu lui dit, je te bénirai ainsi de suite, quitte. Il a fallu que Abraham accepte par la foi et manifeste le mouvement de la foi en quittant pour voir ce que Dieu lui a promis. Alléluia. Je peux encore citer Jacob, Joseph. Dieu lui manifeste sa grâce, Joseph. Dieu le choisit d'office. Dieu l'élève d'office. Mais pour que Joseph puisse voir cela s'accomplir, nous pouvons voir dans toute sa marche l'intégrité de Joseph. C'est une façon, alléluia, gloire au Seigneur, de respecter les principes et les conditions qui sont rattachées à ma destinée prophétique. Il pouvait dire que non, Dieu m'a dit qu'il va m'élever parmi mes frères, alors je vais sortir avec la femme de Potiphar. Alors je vais même insulter Dieu, je vais maudire même Dieu, si je vais en prison, ainsi de suite. Vous croyez qu'il allait rentrer dedans? Non, il n'allait pas rentrer là-dedans. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut prendre ensemble Exode 23? Est-ce que ça va? Exode 23, à partir du verset 22 à 26. Exode 23, oui. Au verset 22. Oui. Mais si tu écoutes sa voix, oui, et si tu fais tout ce que je dirai... C'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israël. Mm-hmm. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes ce que je te dirai, si tu écoutes mes recommandations, sache que je serai l'ennemi de tes ennemis et je serai l'adversaire de tes adversaires. Amen. Condition, écoute. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les abondants. J'enverrai mon ange qui te conduira. Oh, mais Dieu a des histoires. Quand j'ai lu ça, il dit quoi? Je te conduirai où? Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. C'est-à-dire l'ange vient, il ne le conduit pas dans un lieu sûr, hein, mais le conduit dans le camp adverse. Et Dieu, vous allez voir que lorsque Dieu même veut détruire vos adversaires, il ne vous écarte pas de celle là-bas même qu'il vous envoie. Alléluia. Mais je ne vais pas rentrer dans la révélation aujourd'hui. L'ange pouvait venir le protéger, mais il dit mon ange vient. Mon ange va te prendre, il va t'emmener là où c'est chaud. Et puis je vais... Dieu, tu ne peux pas faire autrement. Attends, est-ce qu'il ne peut pas faire autrement? Est-ce que Dieu est bizarre? Alléluia. Mais il dit, je te conduis là où on veut te tuer là. Et c'est là où on veut te tuer là. C'est là que mon ange va te délivrer d'eux. Cela sous-entend que nous ne devons pas nous lamenter lorsque nous vivons des situations accablantes. Car certainement, l'ange de l'Éternel nous a conduits dans ces lieux-là dans le seul but de détruire nos adversaires. C'est comme si Dieu pose un piège à notre adversaire, un guet-apens. C'est comme si on te met, tu vois, on te met une brebis, on l'attache en pleine forêt, en pleine savane. On la laisse comme ça, dans le seul but d'attirer un peu les autres animaux. Et quand ils viennent maintenant là, les personnes sortent de leur cachette pour détruire les... C'est pareil. Au fait, Dieu, oh, celui qui ne connaît pas Dieu, va trop se lamenter dans sa vie, va trop pleurer dans sa vie. Parce qu'il ne réagit pas comme on réagit. Il ne pense pas comme on pense. Il n'agit pas comme on agit. Alléluia. Il dit, vas-y.
Verset 24. Oui. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Oui. Et tu ne les serviras point. Oui. Et tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Oui. Mais tu les détruiras. Oui. Et tu briseras leur statut. Oui. Verset 25. Vous servirez. Tout ça, c'est la condition, hein. Tu n'adoreras aucun Dieu. Tu briseras leur statut ainsi de suite. Oui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Servez-moi. Et il bénira votre pain et vos eaux. Oui. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Donc vous le servirez et il le bénira. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va éloigner la maladie du milieu de toi. Prenons ensemble Deutéronome 11 à partir du verset 26. Ça va pour tout le monde? Je pose les fondements aujourd'hui de la bénédiction. Parce que ce qui fait que vous êtes beaucoup frustrés et vous ne rentrez pas dans votre bénédiction parce que dans votre tête, pour vous, Christ a tout accompli. Donc, ça doit se faire. Et vous vivez comme vous voulez. Mais vous allez voir que le tout est accompli, est effectif pour les choses spirituelles, mais pour les choses physiques, ici-bas sur la terre, elles ont besoin de se matérialiser. Et la chose qui amène cette transition, c'est l'accomplissement des principes et des conditions. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour être sauvé, et pour bénéficier de tout ce que le salut englobe, j'ai besoin simplement de croire. Mais si je veux voir la matérialisation de cela, j'ai besoin maintenant d'obéir aux principes qui sont rattachés au salut. Est-ce que vous me suivez? On y va. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Voici, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La malédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre oui. Dieu, que je vous prescris en ce jour. Mm-hmm. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, mm-hmm. et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Oui. Pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Oui. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, oui. tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ebal. Amen. Amen. Certainement, tu me diras, Éphésiens 1, à partir du verset 3, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Dans les lieux célestes. Oui, c'est vrai. Mais c'est d'abord spirituel. Alléluia. Et pour voir cela, alléluia, être effectif dans ma vie physique, alléluia, mais d'abord même spirituel, il va falloir que j'y croie déjà. Lorsque la Bible dit que l'Éternel t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, comment cela sera effectif dans ta vie spirituelle? Il va falloir d'abord croire. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Et pour voir cela s'accomplir maintenant dans le physique, pour toi, il va falloir matérialiser ta foi. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est-à-dire que si je dis que je crois, je dois matérialiser cela par une attitude, par une action. Je répète, pour la bénédiction spirituelle telle que le salut et tout ce qui l'englobe, nous avons besoin de la foi seule. Mais pour les bénédictions terrestres, nous avons besoin de la foi. Premier plan, alléluia. Et nous avons besoin de la matérialiser par des actions concrètes. Je donne un exemple pour être sauvé. Alléluia. J'ai eu besoin simplement de croire seulement en la grâce de Dieu. Alléluia. Et Dieu m'a sauvé. C'est spirituel. Alléluia. Mais je vais prendre l'exemple d'une personne, pour une personne qui est malade, qui veut être guérie. Alléluia. Crois seulement en la parole de Dieu qui dit que par les maîtres reçus de Christ, vous avez été déjà guéri. Crois seulement, sans matérialiser
cette croyance, bien-aimé, tu ne recevras pas la guérison. Je te dis la vérité. Je suis venu poser les fondements pour 2022. Quelqu'un ne peut pas dire, ok, je suis malade, Dieu a dit que je serai guéri, je crois en cela, alors je serai guéri. Reste là. Tu seras guéri. Il va falloir que je puisse matérialiser cette foi. Et comment je vais matérialiser cette foi? En commençant à proclamer les promesses et les paroles de Dieu sur ma vie. C'est parce que je crois que je vais parler. Ah. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si je crois dans mon cœur, je dois maintenant le matérialiser par des paroles. Et comment je vais le matérialiser par des paroles? Je vais prier. Je vais faire des prières de proclamation. C'est des actions concrètes qui matérialisent cette foi qui n'est pas visible au premier abord des hommes. Vous me suivez un peu? Pour rentrer au bénéfice de ma guérison, il va falloir que j'aille vers la personne de Christ, qui est la grâce personnifiée, que je prie, que je lui rappelle ses promesses, je lui rappelle ses dires, et que je proclame pour voir cela s'accomplir. Si je crois que Christ est le Dieu qui guérit, si je crois que Christ est la source de ma guérison, alors je vais matérialiser ma croyance en allant vers lui au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de la méditation. À un moment donné, nous ne devons pas nous arrêter au fait que je sais, mais nous devons aller jusqu'à à je fais. Ça ne veut pas dire que j'ai obtenu cela par ma capacité humaine, non. Mais je respecte les conditions qui sont rattachées pour voir ce que Christ a accompli d'avance, lui seul pour ma vie. Est-ce que c'est un peu clair? Est-ce que vous me suivez un peu? Alors je vais prier. C'est une condition. Regardez tous ceux qui ont reçu la guérison dans la parole de Dieu. Soit ils ont entendu parler que Christ guérissait et ils sont allés vers Christ. C'est un pas. C'est une condition. Même ceux que Christ est venu à eux, quand nous lisons bien, ils ont accepté qui est Christ et ils ont accepté que Christ les guérisse. C'est un pas. C'est une condition. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, bien-aimé, la bénédiction, elle est là. Bien évidemment, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Cela, Christ l'a accompli. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas encore cela dans votre vie? C'est pour vous dire que ça, là, c'est spirituel d'abord. Mais il va falloir que maintenant, cela quitte le spirituel pour se matérialiser. Mais pour que cela quitte le spirituel pour se matérialiser, il va falloir que ta foi qui est spirituelle aussi, tu arrives à la matérialiser. Voilà pourquoi Jacques pouvait dire que la foi sans les œuvres est une foi morte. À un moment donné, lorsque tu dis que tu crois, lorsque tu dis que tu sais que Christ est capable de faire ça, il va falloir à un moment donné que tes actions suivent ta foi pour voir cela s'accomplir. Alors, si tu as mal compris la grâce, tu vas dire que oh, le Seigneur a tout accompli, je n'ai pas besoin de faire ça, je n'ai pas besoin. Tu as mal compris, reste là. Et puis, dis-moi comment ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Satan sait qui est Jésus. Les démons savent qui est Jésus. Les marabouts, les féticheurs, ceux qui font le vaudou, la magie noire. Allez-y leur demander qui est Jésus, ils vont te dire mais qui est Jésus. Ils le connaissent, mais ils ne veulent pas se prosterner devant lui. Ils ont choisi. Alléluia. Mais le jour où le sorcier dit, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je crois qu'en vérité, la solution c'est toi. Je laisse mes gris-gris. Dès qu'il pose cette action, il rentre automatiquement au bénéfice de la grâce. Alléluia. 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 C'est comme
Un chrétien qui est pauvre financièrement et qui veut sortir de la pauvreté croit seulement en ce qu'il possède en Christ ne suffit pas pour qu'il sorte de la précarité. Non, Jésus-Christ m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors je sortirai de ma pauvreté. Reste là. Tu vas mourir pauvre. Oui, tu vas finir pauvre. Et tu vas mettre tes enfants dans la pauvreté. C'est-à-dire, tu vas finir pauvre. Et puis tu vas t'endetter à tel enseigne même que même demain, quand tu n'es plus sur la terre, ils vont aller encaisser tes enfants. Alléluia. Il faut refuser cela. Cela ne doit pas être ton partage. Oui, Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Je suis riche en Christ. C'est spirituel. Pour que cela puisse se matérialiser, il va falloir que je fasse un CV et que j'aille chercher du travail. Lorsque je vais faire un CV et que je vais aller chercher du travail, c'est une action que je pose. Je crois que Dieu m'a béni. Je crois que Dieu... Donc, quand je pose cette action de foi, alors Dieu m'accorde sa faveur. Il permet que je puisse trouver un travail et de voir ce qu'il a dit que j'ai dans le spirituel se matérialiser dans le physique. Est-ce que vous me suivez un peu? Lorsque je dis oui, je veux être riche, la richesse ce n'est pas seulement spirituelle, mais c'est aussi physique. Parce que nous avons aussi vu dans la parole de Dieu que Dieu a béni physiquement des gens avec de la richesse. Alléluia. Je veux aussi vivre cela, pas pour me faire voir, mais pour la gloire de Dieu. Reste là, assieds-toi. Et puis attends, ça va venir. Attends encore. C'est spirituel. Pour voir cela s'accomplir, il va falloir que je crée une entreprise. Et avant, je fasse ce qu'on appelle un business plan, un business model. Alléluia. Prévisionnel, tous ces genres de choses-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque j'aurai accompli toutes ces choses-là, il va falloir que j'identifie maintenant mes clients. Et lorsque j'ai identifié mes clients, il va falloir maintenant que je me lève et que j'aille les démarcher. C'est lorsque j'aurai fini de poser toutes ces actions de foi que Dieu, lorsque j'irai démarcher, il va m'accorder ce qu'on appelle sa faveur et il va permettre que ce qu'il a dit que je suis dans le spirituel se voie dans le physique. Alors il va toucher le cœur de tes clients que tu démarches et tu trouveras des contrats et tu commenceras à expérimenter ce qu'on appelle une indépendance financière. Alléluia. Est-ce que Dieu a menti? Non. Est-ce que la bénédiction qu'il t'a accordée dans le spirituel, tu as fait quelque chose pour l'obtenir? Non. Alléluia. Mais pour voir cela s'accomplir sur la terre, cela est rattaché à des principes. Alléluia. Que vous devez observer pour que ce qu'il a prévu d'avance pour vous, vous puissiez le voir et que cela ne puisse pas seulement s'arrêter dans le domaine spirituel, mais que cela puisse se matérialiser. Alléluia. 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 Bien-aimés, les bénédictions sont en vous. Elles sont à votre portée. Mais pour les voir se matérialiser dans votre vie, vous devez chercher à connaître et à respecter les clauses, les conditions et les principes rattachés à la bénédiction que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. C'est pareil dans tous les domaines de notre vie sur la terre. Alléluia. Tout est régi par des clauses, par des conditions et par des principes. Si tu les connais et que tu les accomplis, alléluia, tu rentreras dans tes bénédictions. Vous savez, c'est pareil même pour le ministère. Tu ne vas pas t'élever. Oui, moi je suis appelé aux 5 ministères, le ministère de la parole de Dieu. Tu es appelé à prêcher. Et puis, tu ne lis pas de la Bible. Tu ne médites pas. Tu ne prie pas. Tu ne écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne jeûnes pas. Mais tu vas t'asphyxier. Tu vas te sentir vide. Et tu vas te rendre compte que tu es un instrument inefficace entre les mains de Dieu. Oui, je n'ai rien fait pour qu'il me choisisse. Je n'ai rien fait pour qu'il m'appelle.
Alléluia. Mais pour rentrer dedans de façon physique, le même Dieu qui m'a dit que je t'ai tout accordé, le même Dieu dit que maintenant je te forme. C'est comme quelqu'un qui est malade, il y a un médicament qui est censé résoudre son problème, elle a sa portée, on dit voilà ça. Toi tu dis je ne prends pas. Tu sais que le médicament englobe tout, mais tu dis que je ne prends pas. Mais prends pas. Il n'y aura rien qui va se passer. Mais si tu prends, quelque chose va se passer. Le médicament, c'est la grâce. Elle peut résoudre tout ce dont tu as besoin. Elle peut te bénir en cette année 2022. Mais il va falloir que tu puisses l'accepter. Il va falloir que tu puisses poser des pas de foi concrètes dans ta vie. Alléluia. Et j'introduis pour finir le personnage que nous allons étudier dès la semaine prochaine. C'est l'histoire d'Abraham. On termine avec ça. Est-ce qu'on peut prendre Genèse 12 à partir du verset 1 à 3? Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair ce que je dis? À tes résolutions, on répondra. 2022, c'est une année, je vous dis que, de grâce et de bénédiction. Je pense que Dieu va nous mettre au large. Mais encore une fois, ce n'est pas en le méprisant. Mais encore une fois, ce n'est pas en méprisant ses principes, ses voies, ses conseils, ses directives. Pour dire que je suis gracié, tout est accompli. Je n'ai plus rien à faire. Bien sûr, c'est accompli, c'est dans le spirituel. Toute bénédiction spirituelle dans les lieux, c'est dans le royaume. Pour que ça descende, tu as quelque chose à faire. Sinon, l'autre côté, là, tu es béni, oh. Ça, là, il n'y a rien à faire. Tu n'as rien à rajouter. Amen. Et c'est le programme de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils se disent que Dieu a tout fait, Christ a tout fait. Comment cela se fait-il qu'ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre? Mais derrière, lorsque tu vas regarder dans leur vie, ils ne respectent pas les principes de Dieu. Tu veux vivre longtemps, et puis tu vas mépriser ton père, ta mère. Tu veux être béni sur la terre des hommes. Tu vas mépriser ton père, ta mère, qui t'a mis au monde. Pour dire que de toute façon, je suis chrétien, donc c'est bon. Christ, mais tu auras des problèmes. Tu veux être béni sur le plan spirituel. Tu vas mépriser ton père spirituel, ta mère spirituelle. Mais tu es foutu. Non, tout est grâce. Mais tu n'as rien compris. Amen. Amen. Tu vas t'asphyxier. Tu vas te causer des problèmes. Tu veux avoir un foyer bien. Et puis tu vas mépriser ta femme. Tu vas la rabaisser. Elle va pleurer. Tu vas la tromper. Tu vas faire ce que tu veux. Et puis tu vas dire que, oh, je suis béni par la grâce de Dieu. Mon foyer, mais tu mens. C'est du mensonge. La grâce de Dieu ne dit pas ça. Elle dit que tu as tout. Je te donne la capacité de pouvoir honorer Dieu pour que tu puisses voir se matérialiser ce que Dieu t'a donné dans le spirituel. Tu joues avec ça, tu ne verras rien. Et ça crée des chrétiens aigris, année après année. Ils ne voient rien. Tu es là, tu méprises ton mari, tu ne le respectes pas. Tu le rabaisses, tu veux voir quoi? Non, je suis chrétienne, Christ a tout accompli, je suis béni. Non, mais qu'est-ce qui vous a dit ça? C'est mal comprendre la grâce de Dieu. Toutes choses sur la terre ont été régies par des principes, par des conditions, par des lois pour les voir s'accomplir. Mais les choses spirituelles, on n'a rien fait pour ça. Il faut croire. Amen. Mais la terre te réclamera la démonstration de ta croyance pour te donner ce que tu mérites. Ou moins, du moins ce que le Seigneur a prévu pour toi. Voilà, on va dire ça comme ça. Genèse 12 à partir du verset 1 à 3. On commence ce personnage, on ne va pas le terminer. Et dimanche prochain, on va rentrer en profondeur. Vous allez voir comment Dieu a béni cet homme. Alléluia. Amen. Et lorsque tu auras compris cela, beaucoup de choses vont changer dans ta vie.
Amen. J'ai posé les fondements. Est-ce que vous avez compris un peu? Acclamez Jésus. On y va. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Alléluia. Dans d'autres versions, quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Mm-hmm. Je rendrai ton nom grand. Mm-hmm. Et tu seras une source de bénédiction. Oui, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Donc l'Éternel en train de prononcer des paroles de bénédiction. J'ai dit que la bénédiction est avant tout une parole formulée, une parole prononcée. Donc notre patriarche Abraham, qui est l'homme, qui est un exemple de bénédiction de l'Éternel, avant de voir la matérialisation des bénédictions de l'Éternel dans sa vie et dans toute sa postérité, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à parler. Alléluia. Mais nous allons regarder que quand Dieu a commencé à parler, Dieu a mis une condition. C'était quoi la condition? Quitte. Dieu l'a béni, mais il y avait une condition qui était rattachée à l'accomplissement de cette bénédiction. Quitte. Oui, on y va. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bien-aimé, il s'appelait Abraham lorsqu'il fut appelé par Dieu. Lorsque Dieu l'a appelé à quitter les siens, il lui a fait une promesse. Alléluia. Dieu l'a béni. Nous savons tous qu'une promesse entraîne une attente et ce temps d'attente est défini par celui qui promet. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que lorsque Dieu promet une parole de bénédiction à une personne, le temps de l'accomplissement de cette bénédiction est défini par Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? De l'autre côté, la promesse de la bénédiction de Dieu crée de l'espoir chez celui qui reçoit la promesse. En effet, c'est à travers cette promesse que Dieu a béni Abraham. Et Dieu dit, quitte. Alléluia. Il dit, quitte. Alors la première des choses que j'ai compris que avant que quelqu'un ne rentre dans l'accomplissement des paroles de bénédiction que l'Éternel a prononcées dans sa vie, il faille tout d'abord que cette personne obéissent aux principes, aux conditions rattachées à ces bénédictions. Alléluia. Lorsque nous parcourons l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, nous pouvons remarquer que Abraham a obéi à cet ordre de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez un peu? La première des choses qu'il a fait, il a obéi. Dieu l'a parlé la première fois. Alléluia. Lorsqu'il était dans la Mésopotamie. Alléluia. Dieu lui reparle la deuxième fois après la mort de son père. Nous le voyons en acte 7. Lorsque Étienne commence à prêcher. Alléluia. Il mentionne cela. En Genèse 12, c'était la deuxième fois. Mais au préalable, Dieu l'avait déjà appelé. Donc la deuxième fois, Dieu l'appelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la bénédiction et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Et il obéit en faisant quoi? En quittant. Dieu lui dit que je te bénis. Qu'est-ce qu'il fait? La parole dit que Abraham crut. Alléluia. Et lorsque Abraham a cru, la Bible déclare que cela lui fut imputé à justice. C'est sur quel plan? C'est sur le plan spirituel. Parce que quand nous allons voir son comportement, après nous allons voir que la justice qu'il a eue sur le plan spirituel par la foi, ce n'est pas forcément ce qu'il vivait dans ses actions. Il a commis quelques erreurs. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire la différence entre ce que nous avons sur le plan spirituel et entre ce que nous voulons voir sur le plan physique s'accomplir. Est-ce que vous me suivez? Alors, il fait quoi? Il croit et il obéit. Et il fait le pas. Il quitte.
Première chose, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il faille que cette personne obéisse à l'ordre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, beaucoup, Dieu leur dit, je te bénis. Dieu leur dit, je t'élève. Dieu leur dit, je rendrai ton nom grand. Dieu leur dit que j'ai tout fait. Dieu leur dit tout cela et il leur dit, écoute-moi bien, fils, fille, voilà maintenant ce que tu vas faire. Ne fais plus ça, ne fais plus ça. Est-ce que vous me suivez un peu? Quitte cette chose-là. Quitte cette façon d'agir. Quitte ces actions-là. Quitte ces mauvaises choses-là. Quitte. Très peu sont prontes à obéir pour voir ce que Dieu a dit se matérialiser dans les vies. Est-ce que Dieu a menti? Non. Est-ce que spirituellement, ils ne sont pas bénis? Oui. Mais pour voir cela, il va falloir que ces personnes quittent. Alléluia. 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 Il avait 75 ans lorsqu'il reçoit cet appel. Sa femme avait 65 ans lorsqu'elle reçoit également avec lui cet appel, bien-aimé. Un appel de conquête d'un nouveau pays. Un appel de naissance d'un enfant. Mais bien-aimé, l'Éternel fait à Abraham un appel qu'on fait à un jeune de 20 ans. Parce qu'à 75 ans, on est déjà un senior. On se prépare pour rencontrer le Père Céleste. Comment à 75 ans, moi j'allais faire conquête des pays? 75 ans, je vais faire chercher à avoir un enfant. Ça, c'est des promesses qu'on fait à un enfant jeune qui a toute la vie devant lui. Donc, tout était réuni pour ne pas que Abraham puisse croire à la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Tout était réuni pour ne pas que Abraham puisse obéir à la voix de Dieu. Bien-aimé, c'est là qu'Abraham c'est là qu'Abraham a cru et c'est là qu'Abraham a démontré sa foi, sa croyance en quittant. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la foi ne se démontre pas lorsque tout semble correct autour de nous. Mais la foi se démontre lorsque tous les pronostics ne tournent pas en notre faveur. Lorsque tout est réuni, alléluia, pour dire que normalement tu ne peux pas vivre ça. Normalement tu ne peux pas voir ça. C'est là que tu crois en ce que le Seigneur a dit. Et c'est là que tu démontres cette croyance par un pas de foi. Mais si tu ne verras pas. Beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils croient en la capacité de Dieu, au pouvoir de Dieu, en la puissance de Dieu. Mais devant certaines situations, on ne voit pas la démonstration de leur foi. Lorsque tu vois leur langage et leur action semble contredire leur état d'esprit. Est-ce que vous me suivez un peu? La foi, bien-aimé, c'est croire, mais c'est également obéir. Alléluia. La foi, c'est croire en ce que Dieu a dit et c'est obéir en ce que Dieu a dit. Nous allons rentrer en profondeur en 2022, du moins le prochain culte. Et je vais rentrer dans les secrets de la bénédiction. Vous voulez être béni? Alléluia. Vous voulez être béni? Vous devez. Amen. On va tous s'élever d'abord. On va tous s'élever d'abord. Lèvons-nous tous. Lèvons-nous tous. Lèvons-nous tous. La chose que tu vas retenir là, en ce jour, j'ai posé les bases. On va rentrer en profondeur dimanche prochain. Viens,
Si tu es fatigué de vivre les mêmes choses chaque année, viens. Je vais te donner les secrets. Alléluia. Première chose, croire et démontrer sa foi en action. Alléluia. C'est la première chose d'abord. Nous allons voir la suite. Tu dois prendre conscience maintenant. Là, c'est le premier dimanche. Tu dois identifier tout ce qui n'est point en rapport avec la foi que tu as. Tu dois identifier tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, toutes les actions que tu poses qui ne concordent pas avec la foi que tu as. Et tu dois les éradiquer. Et tu dois identifier tout ce qui concorde avec la foi que tu as. Et tu dois chercher à les accomplir. Alléluia. Tu verras cela s'accomplir. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Dis Seigneur, donne-moi de connaître. Donne-moi de connaître les principes pour la matérialisation de mes bénédictions que tu as préparées d'avance pour ma vie. Donne-moi de les connaître et donne-moi d'obéir à ces bénédictions. Donne-moi d'obéir du moins à ces principes afin de voir se matérialiser ce que tu as prévu d'avance pour ma vie. Alléluia. Tu vas proclamer avec moi. Dans le nom de Jésus. Proclame avec moi. Dans le nom de Jésus. En cette nouvelle année, je proclame que mes actions seront conformes en la foi en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que mes dires seront conformes en la foi en Jésus-Christ. Je proclame que mon attitude sera conforme à la foi en Jésus-Christ. En ce nouvel an, je proclame que mes attitudes ne seront plus celles du diable, celles de la chair, mais je proclame et je décide que mon langage, mes attitudes sont conformes à la foi en Christ, au dit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, en ce jour, en cette année, je prie que tu viennes éradiquer de ma vie tout ce qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus, les attitudes, les comportements, les langages, les actions. Jésus, révèle-moi et éradique cela de ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, tu déclares dans ta parole que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En ce jour, Seigneur, que ma chair ne soit plus faible, que ma chair soit restaurée, que ma chair soit fortifiée, que ma chair obéisse aux lois, aux directives de mon esprit. Seigneur, que mon âme, que mon corps
se soumettent aux vérités dans mon esprit. Je ne veux plus vivre la vie d'avant. Cette vie qui n'était point la gloire de Dieu. Cette vie qui ne glorifiait point Dieu. Cette vie qui était éloignée de Dieu. Cette vie de mensonge. Cette vie qui ne l'élevait pas. Aujourd'hui, je confesse que je me sépare de cela. Je confesse que je me détourne de cela. Je confesse que je ne marcherai plus dans cela. Je confesse que les dits de Dieu seront mes dits. Le langage de Dieu sera mon langage. Les principes de Dieu seront mes principes. Les conditions de Dieu seront mes conditions. Les clauses de Dieu seront mes clauses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame que je réussirai. Je proclame que je réussirai. Je proclame que tous les principes, toutes les conditions, toutes les clauses pour que ma réussite se matérialise. Je proclame en ce jour que la grâce de Dieu dans ma vie m'aide, me soutient afin que je puisse respecter ses principes et que la gloire de Dieu soit manifeste dans ma vie. Oh Père, 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 que ta grâce me donne de matérialiser ma foi. Père, que ta grâce me donne de matérialiser ma croyance. Père, Père, que ta grâce me donne de dire ce que tu veux que je dise. Que ta grâce me donne de faire ce que tu veux que je fasse. Que ta grâce me donne de quitter ce que tu veux que je quitte. Que ta grâce me donne la capacité, l'habilité d'accomplir ce que tu attends de moi pour voir mes bénédictions se matérialiser ici bas sur la terre. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à prier. Prie dans ce sens-là pendant quelques minutes. Prie dans ce sens-là pendant quelques minutes. Prends 5 bonnes minutes avant la fin de ce moment. Prends ces 5 bonnes minutes et prie. Tu sais, jusqu'ici, ce que tu n'accomplissais pas. Tu sais, jusqu'ici, ce que tu n'obéissais pas. Tu sais, jusqu'ici, ce que tu ne faisais pas. Tu sais, jusqu'ici, ce que l'Éternel t'a dit, ce que l'Éternel t'a interdit de faire. Tu le sais. Mais jusqu'ici, tu n'arrivais pas. Tu sais que mentir n'est pas bon, mais tu le faisais quand même. Tu vas t'en débarrasser. Tu sais que être impulsif n'est pas bon, mais tu le faisais quand même. Tu vas t'en débarrasser. Tu sais que la colère, le manque de maîtrise de soi n'était pas bon pour l'accomplissement de tes bénédictions, mais tu le faisais quand même. Tu vas demander au Seigneur que sa grâce te donne la capacité de pouvoir accomplir la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce te donne la capacité de pouvoir te débarrasser de cela au nom de Jésus-Christ. Tu sais que Jésus est Seigneur. Tu sais qu'il est ta guérison. Tu sais qu'il est ton prochain protecteur. Tu sais qu'il est ta source, ton défenseur. Mais jusqu'ici, tu ne t'approchais pas de lui par la prière. Tu vas dire, Seigneur, que ta grâce me donne la capacité de pouvoir avoir une vie de prière afin que ce que tu as établi pour moi d'avance
je puisse voir cela se matérialiser ici bas dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Vas-y, prie. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, identifie ce que tu ne faisais pas, que tu savais qui était bon de faire. Et tu vas dire, Seigneur, ta grâce, aujourd'hui, 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 je renonce aux mensonges. Aujourd'hui, je renonce à la colère. Aujourd'hui, je renonce à l'impulsivité. Aujourd'hui, je renonce à l'impudicité, à l'adultère, à l'infidélité. Au nom de Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je renonce à l'assoupissement, à la lourdeur qui m'empêchait de prier. Au nom de Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je renonce à la gloutonnerie qui m'empêchait de jeûner. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je renonce. Je renonce à la distraction, je renonce à l'assoupissement, je renonce à la lourdeur qui m'empêchait de méditer la parole de Dieu. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je confesse que la parole de l'Éternel sera ma parole, la bouche de l'Éternel sera ma bouche, les voix de l'Éternel seront mes voix. Les dits de l'Éternel seront mes dits, afin que le succès de Dieu soit mon succès, afin que les bénédictions de Dieu soient mes bénédictions, afin que l'élévation en Christ soit mon élévation. Au nom de Jésus, vas-y, prie le Seigneur. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Les années ne vont point se ressembler. Et tu vas laisser cela faire. Les années se succèdent. Et tu continues à vivre et à voir les mêmes choses. Tandis que Jésus dit qu'il t'a béni. Certainement, tu n'avais pas compris certaines choses. Cette bénédiction, elle est spirituelle. Et elle ne demande qu'à se manifester. Cette bénédiction est spirituelle. Elle ne demande qu'à se matérialiser. Et pour cela, bien-aimé, il va falloir respecter les principes. Si tu avais du mal à respecter les principes de Dieu, si tu avais du mal à obéir à la voix de Dieu, si tu avais du mal à obéir au commandement de Dieu, tu vas dire, Seigneur, fais-moi la grâce. Oui, fais-moi la grâce d'obéir. Autrefois, tu n'avais pas la capacité d'obéir à Jésus. Autrefois, tu étais esclave du péché. Autrefois, tu étais esclave de la propriété du diable. Mais par la grâce de Dieu, tu étais libre. Tu étais délivré. Tu étais délivré. Maintenant, par la foi, maintenant, tu peux accomplir. Tu peux dire, tu peux faire ce que tu ne pouvais point faire autrefois. Et tu verras la gloire de Dieu. Parle. Dis, Seigneur, tu as dit qu'en toi, je suis libre. Seigneur, tu as dit qu'en toi, je suis libre de la domination du péché, de l'esclavage du péché. Tout cela fait partie de ton sozo. Seigneur, tu l'as dit. Avant, j'avais du mal à accomplir tes voies. J'avais du mal à dire non au diable. J'avais du mal à faire ce que tu attendais de moi. Mais ta grâce est venue rendre cela possible dans ma vie. Alors aujourd'hui, je proclame de vivre selon cette grâce.
en matérialisant ma foi, en accomplissant ce que je ne pouvais pas accomplir autrefois, afin que tes promesses dans ma vie puissent se matérialiser sur la terre au nom de Jésus, afin que tes promesses ne puissent point seulement se limiter à mon être spirituel, ne puissent point seulement se limiter à mon esprit, mais afin que cela s'accomplisse dans ma vie ici-bas sur la terre. Donne-moi de respecter les principes par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. S'il y a quelqu'un en ce lieu qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui veut l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, il peut lever les mains. Si tu ne l'as jamais confessé, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche. Il faut matérialiser ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel, qui veut le confesser, qui lève la main? Alléluia. On acclame le Seigneur. Viens, viens, viens me voir. Viens, viens, viens. Venez me voir, ceux qui veulent accepter. Oh, 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 on acclame le Seigneur. Si tu ne l'as jamais fait publiquement, tu peux venir. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, il y a l'action de croire et il y a l'action de le matérialiser par tes dires. Et c'est ce que vous faites. Si quelqu'un ne l'a pas encore fait, il peut le faire aujourd'hui. Alléluia. C'est le meilleur des choix. Alors, vous allez répéter après moi. Lorsque je dirai mon prénom, vous direz le vôtre. D'accord? Levez les mains. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie passée. Aujourd'hui, moi, Jocelyn, j'ai entendu ta parole. Je crois qu'en toi, j'ai la vie éternelle. Mes péchés me sont pardonnés. Aujourd'hui, moi, Jocelyn, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, dirige ma vie aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Venez, approchez-vous. Levez la main, priez pour eux. Étendez la main et priez pour eux. Amen. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te glorifie pour la vie. Et que conformément à ta parole, ton esprit vienne les sceller, habiter en eux et les apprendre à te suivre, à te servir, à faire ta volonté et à glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour eux au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour la vie. Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner et vous asseoir. C'est le meilleur des choix. On ne comprend pas tout au début, mais avec le temps, on apprend à connaître Jésus. Et Jésus accomplira des grandes choses dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bien-aimés, avant de terminer ce moment, gloire au Seigneur, tu vas préparer ta dîme, ton offrande sacrificielle. Alléluia, si tu l'as apportée, gloire au Seigneur, tu vas la tenir dans tes mains, tu vas te lever. Si vous l'avez apporté, vous pouvez aussi descendre, le prendre. Alléluia, nous allons prier ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre, tu vas tenir cela dans tes mains, tu vas te lever dans la présence de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas pu l'apporter aujourd'hui, nous allons l'apporter encore le dimanche prochain. Alléluia. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu, toi qui l'as apporté, alléluia, ton offrande sacrificielle. Alléluia.
c'est aussi accomplir un principe. Alléluia. Le principe de la semence. Le principe de la reconnaissance envers Dieu par l'action. Et tu vas répéter après moi, Seigneur, tu as dit que celui qui t'honore, tu vas l'honorer en retour. Tu as dit que celui qui jette son pain à la surface de l'eau, cela lui reviendra certainement. Tu as dit, Seigneur, que tout ce que je ferai pour t'honorer sera béni de toi. Seigneur, tu as dit, apportez vos offrandes, vos dîmes dans ma maison, afin que tu menaces le dévoreur, tu sécurises nos finances, tu ouvres les écluses des cieux et tu fasses descendre ta bénédiction en abondance dans notre vie. Abraham a expérimenté, Père, des victoires et il t'a apporté la dîme. Jacob a dit, Seigneur, si tu le bénis, il t'apportera le dixième de ses revenus. Salomon t'a offert plus de 1000 holocaustes en signe d'adoration et en signe d'action de grâce. Nous l'apportons, notre offrande spéciale, notre dîme, parce que nous sommes conscients que durant toute l'année 2021, tu nous as bénis. Alors nous t'apportons ce qui te revient de plein droit. Mais nous croyons également que pour l'année 2022, c'est toi la source. Voilà pourquoi, au travers de cette action, nous nous connectons à la source que tu es. Et que le robinet de la bénédiction sur le plan matériel, Seigneur, continue, se matérialise dans ma vie pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen et il apporte. Seigneur, voici tous tes enfants qui apportent, que conformément à ta parole, tu puisses les exaucer. Tu n'es point un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors honore tes promesses, tes dits, tes paroles dans la vie de tous tes enfants en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le de vous-même. Que Dieu vous apporte pas seulement la bénédiction matérielle, mais la bénédiction dont vous avez besoin. Tout ce qui dit, pour cette année 2020. Juste à côté de l'escalier, nous allons vous recevoir. Mais tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il te bénit, pour ce qu'il t'exauce, pour ce qu'il ouvre les écluses des cieux, pour toute sa parole qui a été communiquée en ce jour. Béni Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci. Voici qu'au travers de ce premier culte de l'année, nous voulons encore marquer notre ou réitérer, Seigneur, de notre alliance avec toi,
de notre foi envers toi, de notre allégeance vis-à-vis de toi. Je prie que la grâce, la bénédiction qui est rattachée à ce acte que nous posons ce matin en venant dans ton assemblée et même en apportant, Seigneur, nos prémices à ta personne, je prie, ô Dieu de gloire, que cela s'accomplisse dans notre vie à tous au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'en cette année, parce que nous croyons que tu veux bénir chacun et que cela même a été déjà fait, mais parce que nous croyons que tu veux le matérialiser, nous croyons également que cela, la matérialisation, obéit à des principes. Donne-nous de toujours les connaître, de toujours les garder au devant de nous et de toujours obéir à cela afin de voir, Seigneur, ce que tu as prévu d'avance se matérialiser physiquement sur la terre pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Tu dis que c'est une parole de bénédiction qui annule une parole de malédiction. Alors moi, le père de la maison, Seigneur, je lève la voix par l'autorité qui m'a été conférée. Je bénis ici présent tous mes enfants de la maison du chandelier, tous les fils et toutes les filles de la maison du chandelier, qu'ils soient là en présentiel ou même à la maison pour diverses raisons ou au travail. Père, je te prie de les bénir. Et parce qu'une bénédiction est avant tout une parole formulée, Seigneur, je formule cette parole et je les bénis. Je bénis l'œuvre de leurs mains. Je bénis tout ce qu'ils feront. Je bénis leur maison. Je bénis leur projet. Je bénis leur vie spirituelle. Je bénis leur santé. Je bénis, ô Dieu de gloire, tout ce qui est rattaché à leur vie au nom de Jésus-Christ. Cela s'accomplit en cette année pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Que quelqu'un dise amen. Bon dimanche à tous.